Mesdames, Messieurs, bonsoir. Depuis Studio 4, la voix de l'Amérique en Washington, moi c'est Jacqueline Belizea. Un plaisir, l'autre fois encore pour nous ensemble, pour nous présenter un programme dans la langue créole haïtienne. Mais d'abord, quelques grands points qui ont dominé l'actualité. Actualité ici aux États-Unis, décret président Joe Biden sous quantité de monde qui a demandé asile sous frontière états-unien continue à provoquer réaction dans le camp républicain et dans le temps démocratique. Président Joe Biden trouvé dans le pays la France dans l'occasion commémoration 80 l'année débarquement 6 juin 1944 là et bien dans pays d'Haïti chita tendé entre premier ministre Gary Conny à conseil présidentiel transition sous formation un nouveau gouvernement dans pays d'Haïti. C'est pour ça yo avec l'autre encore nous pour développer pour dans un petit moment pendant ce temps Kenya gain pile la prière qu'a fait pour mission qui gain pour débarquer dans pays d'Haïti. Mais actualité a mené nous d'abord ici aux États-Unis côté militant qu'a défendre immigration à immigrants plutôt et ben il a mandé administration Biden pour entrer décret qui a limité quantité monde qui a demandé asile sous frontière États-Unis et sous frontière États-Unis. Et Jean-Robert Philippe a suivi de très près pour nous situation et qui t'est trouvé dans la Maison Blanche. Jean-Robert Philippe, réaction sur ce bon côté républicain, bon côté démocrate et même bon côté Nations Unies tout Jean-Robert. Et président Biden a divisé sous décret ça, mais tout l'hypothèque du tout par agence Nations Unies pour réfugiés qui dit même était quoi qu'un monde qui n'a besoin capable difficile pour rien accès à système asile États-Unis et puis tout son décret qui normalement d'après mesure il pas appliqué pour mineurs, il pas appliqué pour monde qui a urgence médicale, il pas appliqué pour monde qui a rendez-vous, qui prend rendez-vous. Donc son décret que tout le monde t'a rejoindre là-dedans, mais pourtant le président en bas en pile critique pour des cas de sécurité qui t'a rabaissé, mettez sécurité sous frontière. Actualité ici aux États-Unis, décret président Joe Biden sous quantité moon. They know the border is not a political issue to be weaponized. Responsibility we have to share to do something about it. They don't have time for the games played in Washington. Militaires parlementaires qui ont défendu les droits immigrants n'ont pas content avec le décret président Joe Biden signé mardi 4 juin pour mettre des restrictions temporaires sur le monde qui a cherché asile aux États-Unis après avoir traversé les frontières pays à partager avec le Mexique illégalement. Le président dit la raison qui fait qu'il prend le décret, c'est à cause des républicains qui n'ont pas semblé à marcher dans la logique pour travailler avec lui pour sécuriser les frontières. Une coalition qui gagne là-dedans l'organisation qui a défendu les immigrants, mais était avec quelques membres du Congrès, réunis devant Capitole la même journée mardi 4 juin pour dénoncer le décret présidentiel là qui visait fermer frontières et puis limiter la quantité d'immigrants qui sont capables de demander asile dans le pays. Une intervenant, c'est le député Yodelia Ramirez qui sortit dans le district 3 État Illinois et qui était rentré illégalement aux États-Unis avec maman. Y es porque estoy tan decepcionada de la orden ejecutiva que hemos escuchado. Pero como dijo la congresista Jaya Paul, il parlait de nécessité pour gagner réforme immigration en faveur tout immigrant une façon pour être capable de gagner document légal dans le pays. Pour lui-même, président Biden doit adopter mesures pour uniformiser et puis aider immigrants à rejoindre protection au lieu pour empêcher de chercher asile aux États-Unis, qui contrait avec valeurs démocratiques États-Unis à prêcher le monde. The United States has been a beacon of hope for those. Député district 5 Minnesota, Ilan Omar, qui lui-même est rentré aux États-Unis comme réfugié. Quoi décret exécutif président Biden non violer principe qui dit États-Unis représentent espoir pour monde cap courir contre persécution violence avec oppression. Alan Morris, directeur politique national pour LGBTO, donc groupe qui réunit garçons macomer avec mesdames macomer avec l'autre groupe, déclaré nous sentons gagner un bagage qui pas marché bien. Réalité a c'est que décret exécutif là pénaliser monde qui a cherché asile. Après ancien administration a échoué dans tentative pour bâtir un mirail pour empêcher immigrés de rentrer aux États-Unis. Gerlin Joseph, c'est responsable de Chain Bridge Alliance qui est basé dans San Diego, dans l'État de Californie. Depuis que le gouvernement n'a pas changé de direction, nous tous prêts mettre tête ensemble pour nous capables de combattre, pour nous joindre une solution. Un groupe gouverneur de parti, membre congrès, magistrat communal, officiel force de l'ordre, cap travail sous frontière, salue le décret exécutif là, yo quoi, c'est un pas dans la bonne direction, même si yo quoi, ça pas résoudre crise sous frontière. Un groupe républicain dans congrès, dénoncé le décret, yo dit qu'il pas porter solution dans abus cap
commettre dans arrêté libéré à Abi dans application CBP Wana, li pa mette en application programme réussi administration Tromplan qui te mandé immigrant k'ap mandé asile yo rete au Mexique en attendant responsable analyser demande yo. Décret a pa bay garde frontalière yo nouveau moyen pour déporter plusieurs millions immigrants k'ap débarqué sur frontière pa ban et pa paquet chaque année. Robert Philippe, VOA Creole, Washington. Merci Jean-Robert Philippe. Et pendant ce temps, il y a un président Joe Biden qui trouve dans le pays la France dans l'occasion de commémoration 80e anniversaire de débarquement 6 juin 1944. Là, Sandra Lemaire, il y a un détail. Président États-Unis Joe Biden arrive dans la ville de Paris, en France, côté lui pral marqué 80e anniversaire invasion Jougia. En même temps, président américain a essayé montrer support jam les États-Unis pour sécurité Europe là. Dans moment côté quelques alliés gain qu'à sauter pour Donald Trump pas faire ça le menacer pour le faire qui s'écraser tout engagement États-Unis prend s'il remportait au l'autre mandat dans la Maison Blanche. Voyage en France là a déroulé dans moment côté conflit côté plus moun mouri depuis deuxième guerre mondiale là a continué en Ukraine et puis tout allié européen yo a prédit pour joindre moyen pour empêcher la Russie remporter la victoire dans moment la vallée terrain sous champ de bataille là. De l'autre côté, division entre États-Unis et pile allié européen par rapport à qui Jean Yodwe gérer conflit israélo-hamas là dans Gaza a approfondi chaque jour. Biden rive Paris mercredi matin. Jeudi, il pral visiter plage Normandie côté gagne cimetière pour soldats américains qui étaient morts dans bataille pour camper deuxième guerre mondiale là. Biden va prendre la parole vendredi dans pointe du Hawk. Un lieu sous côte pays la France, côté soldat, la meilleure grimpe monne, bol en main pour surmonter défense nazie. Conseiller sécurité nationale à Maison Blanche, là, Jake Sullivan, déclaré à bord avion présidentiel, là, Air Force One, pendant Biden était en route pour le pays la France, que président pral mettre accent sur qui genre soldat qui était grimpe monne, ça y est, mettait pays à en premier, et puis détailler danger isolement, et puis qui genre si nous appuyons dictateur au lieu nous défier yo, yo pral pousser pou pi devant et puis éventuellement États-Unis ak le monde va payer yo pi gros prix. Pendant ce temps, président français Emmanuel Macron te rend hommage à civils qui étaient victimes bataille Normandie 6 à 7 juin 1944. Macron voyageait dans la ville Saint-Lô mercredi pour commémoration qui était déroulée dans l'honneur victime Sayo. Ces bombes qui tombèrent ce soir-là étaient celles des Alliés. Les avions américains et britanniques avaient visé Saint-Lô, centre routier dans le cadre du grand plan de neutralisation des voies de communication, et ce pour empêcher les renforts allemands de venir repousser le débarquement. N'a pas rappelé que gain 20 000 civils qui étaient morts dans l'invasion nazie pendant force alliée tap goumen pour protéger yo et sauver yo. Mais tout ça gain 73 000 troupes qui étaient morts et puis 153 000 qui étaient blessés. Sandra Lemaire, VOA Creole, Washington. Merci Sandra. On parlait de élection aux États-Unis 2024. Là, c'est une année électorale. Côté que 5 novembre 2024, ça, après le mettre face pour face, deux principales partis dans le pays, Parti démocrate là avec Parti républicain. Nous te présentons dernièrement Parti républicain. Jodia, Fred Kaimit a présenté nous Parti démocrate là. Je connais Parti démocrate là comme parti qui est en faveur du gouvernement fédéral, la politique sociale progressiste. Cependant, ça va toujours comme ça. C'est dans l'année 1792, les deux fondateurs PIA, Thomas Jefferson et James Madison, ont fondé le Parti républicain démocratique. Qui bralvin tourne pita Parti démocrate. Ils voulaient pour le gouvernement fédéral gagner un rôle PPT. Avec plus de monde qui participait dans le mouvement démocratie. Pas seulement l'élite PIA. 1829, président Andrew Jackson poussait l'idéal ça au plus loin. Ils voulaient un gouvernement fédéral qui même PPT. Et il poussait l'idée pour tout garçon blanc voter au lieu de seulement propriétaire. C'est 41 années qui passaient avant pour garçon noir américain joindre le droit pour voter.
À passage 15e amendement, les femmes pas jeunes doivent voter pendant 91 années. Ça qui vient changer avec passage 19e amendement. Et c'est après 136 années Voting Rights Act là qui vient craser toute barrière qui empêchait nous à voter. C'est succès campagne présidentielle Jackson là qui était bail symbole parti démocrate là bourrique là. Adversaire d'Iotéré les lions chrétiens, une mascotte qui supportait l'Iotéré adopté. Parti démocrate l'a divisé selon géographie pays en 1860, dans l'époque qui menait dans la guerre civile là. Démocrate dans noir, démocrate dans sud, pas de 40 ans, nous sous question esclavage à l'époque pour préserver l'union. Les partis sud la perdu la guerre civile en 1865, parti démocrate l'a perdu l'importance nationale pour plusieurs générations, pendant que parti républicain Abraham Lincoln l'a dominé politique pays. Vers 1912, les premiers démocrates dans Sidla Eli, président depuis finissement de la guerre civile, là, parti à une plus progressiste. Président Woodrow Wilson défend droit pour femmes voter, ça que le pays a été ratifié en 1920. C'est juste dans l'époque de la Grande Dépression, les démocrates ont venu reprendre la domination dans la politique. Là. Avec en tête le président Franklin Delano Roosevelt qui agit pour le gouvernement fédéral. Là. En pile l'élite américain noir traversé dans le parti démocrate là à cause politique Roosevelt. Les démocrates ont contrôlé la politique pays pour un bon valet dans 50 années qui viennent après. Le parti a venu depuis sa gauche dans la question politique sociale. Dans la mi-temps de 1960, Lyndon Johnson passe le projet de loi sous droit civique et sous plus programme social dans le gouvernement. Dans la dizaine d'années qui sont passées, démocrates et républicains, l'un fait passe par l'autre dans le contrôle de la présidence. Le président démocrate Barack Obama, c'est le premier président noir américain et il a le gouvernement un plus grand rôle dans soins de santé. Il y a une loi sur soins de santé abordable qui est Obamacare. Le président Joe Biden monté président dans l'époque pandémie COVID-19 là, lui-même avec parlementaire passé un programme 1.8 milliard aide COVID-19. Un projet de loi 1.2 milliard pour infrastructure et 369 milliards pour combattre le changement climat. Une présentation et Fred Kaimit au souver au créole suivi un programme dans langue créole haïtien. Ou toujours sous VOA Creole, ou ap suivi un programme dans langue créole haïtien. Actualité ap menen konya nan pays d'Haïti, côté conseil présidentiel transition, rencontré avec Premier ministre Gary Conille, yo rencontré et yo promet que très prochainement ap gen yon nouveau gouvernement. Nous allons rejoindre Yves Manuel depuis Port-au-Prince. Tractation yo ap continuer dans pays d'Haïti, notamment dans mi-temps membre conseil présidentiel yo, dans perspective pour la mise en place du prochain gouvernement après Gary Conille fin recevoir ampliation qui habilite pour former cabinet ministériel. Prochain gouvernement transition a bien la donne 13 ministres au lieu de yon vingtaine gens ça qu'on habitué selon diverses sources nous capable faire confiance. Décision ça sorti dans échange entre membre conseil présidentiel transition avec Premier ministre Gary Conille qui discutait 4 juin sous profil gouvernement. Coalition regroupement parti politique pour avancement démocratie exhorté Premier ministre Gary Conille pour mettre à profit compétences li et expérience li pour capable gérer efficacement défi transition. Au Premier ministre Gary Conille, nous lui demandons pour sa part de mettre à contribution ses compétences et expériences pour gérer avec efficacité et efficience en synergie avec le conseil présidentiel de transition les grands dossiers de la transition. Pour capable bailler résultat, les nécessaires pendant période transition pour fusionner plusieurs ministères, c'est ça Gary Conille fait connait pendant réunion selon une source qui proche conseil présidentiel de transition. Ministère régalien yo ta de constituer ossature gouvernement, ses portefeuilles intérieur, justice, défense, économie et affaires étrangères. Yo entente ta trouvé également pendant rencontre lan sous formule pour adopter pour attribution portefeuille yo. Premier ministre lan ta proposé non sous 4 ministères régaliens et conseil présidentiel transition sous 9 lot yo. N'ap noté conseil présidentiel transition ensemble avec équipe Gary Conille pas communiquer information sous décision qui arrêté pendant réunion. Site officiel présidence pays d'Haïti simplement rapporté
conseil présidentiel là à Guy Koni prend engagement pour travailler dans l'idée pour doter pays à rapidement de un nouveau gouvernement. Moi c'est Yves Manuel, depuis Port-au-Prince pour VOA Créole. Merci Yves, n'a prêté toujours dans Port-au-Prince côté gain plusieurs leaders politiques qui même yo gain et opinions différentes, opinions dépendantes sous formation un nouveau gouvernement. Nous pas rejoindre Renat Toussaint depuis Port-au-Prince. Maître André Michel, qui se porte-parole secteur démocratique et populaire SDP, souhaitait ce premier ministre Gary Koni qui choisit équipe gouvernementale l'IA, puisque d'après ça le dit, depuis go bagay pays d'Haïti besoin, journée aujourd'hui, hein, c'est... Le peuple haïtien a tant de forces internationales là, vini aider la police craser gang pour mettre sécurité dans le pays, hein, Jean SDP a demandé ça depuis 19 mois. Parce que m'a dit depuis longtemps, nous pas qu'à sortir en bas gang yo sans une force internationale. C'est sécurité qui premier besoin peuple là. Deuxième bagage qui est important, nous besoin d'un conseil électoral crédible qui pour faire une bonne élection pour peuple là choisir qui est ce qui pour venir diriger pays. C'est deux bagages ça qui plus important pour peuple là. Mais gien l'autre leader qui parle bagage la même genre. Nous qu'à citer par exemple Bolivar Jean Anderson qui c'est coordonnateur général résistance pour Haïti. Nous demandons le conseil présidentiel là à premier ministre là pour chita ensemble en harmonisation sans tête chargée, pas occuper aucun zéphéris, aucun détracteur, cap bay pression, cap réclamer deux trois ministères sous base c'est eux qui gagne plus capacité de mobilisation. Je dis à Nabdio, c'est bien compté, mal calculé. Pendant ce temps, même conseil présidentiel transition avec premier ministre Gary Koni a réalisé une séance de travail hier après-midi, mardi 4 juin 2024. Là. Question qui a un rapport avec formation gouvernement, tenant centre discussion yo entre nouvelles autorités pays. Renat Toussaint, pour VOA Créole, Port-au-Prince. Merci Renat Toussaint et pour l'instruction et tout mon conseil urbain. Quand on va rejoindre Massado Vilme qui lui-même t'est parlé avec quelques citoyens sous formation yon gouvernement yon gen yon l'autre fois encore idée département sous question. Moi, c'est que nous pas gen temps pour perdre. Plusieurs citoyens qui réagissent sous installation Dr Gary Koni comme premier ministre pour voir transition dit pas espérer un rien clé. Selon yo, c'est ta communauté internationale là qui pour ces conseils là fait choix si là. Sorti dans Ariel Henry tombé dans Gary Koni. Nous croyons que c'est pour changer. C'est même moteur. Parce que c'est pas CP qui fait choix de Gary Koni. C'est pas CP qui fait choix de Gary Koni. Tout simplement, c'est dicton blanc qui a animé. Au contraire, il était là déjà. S'il retourne là, il a raison. Et pour qui ça? Il était démissionné, on ne peut pas connaître. Pour qui ça retourne là, on ne peut pas connaître. L'homme a toujours changé, à tout moment. Mais si l'homme n'a pas doté de l'esprit qui est animé de Salimna, pita à Pitris pour Haïti. C'est seul peuple là qui peut libérer le peuple là. Nous avons dit que c'est imposé, on a imposé Gary Koni. Ok? Parce que dans le conseil là, ce n'est pas Gary Koni qui a été choisi. Et nous avons sorti Jean-Charles. Oui, Jean-Charles Sorti, il dit bon, ils font grand point, parce que, etc., parce qu'il devine en Afrique, Belizien. Mais après, nous avons tout bonnement. Et pas de bon note qui sorti internationalement, qui ont été salués, en présence ou bien choix concernant les faits. Et tout de suite, nous avons donné au changer. Par contre, le fait que donné au changer, vous savez, c'est gagné plus de 200 candidats pour faire pour le ministre. Mais nous trouvons toute la presse a parlé automatiquement de Gary Koni vini, toute la presse a parlé de Gary Koni. Ça déjà montré nous, Gary Koni s'est imposé international là, imposé nous. Alexandre Marc-André qui présentait tête lit comme porte-parole Belin, il y a un quartier populaire qui passe suspend beaucoup de coups de balle à quartier Solino, Fonds national pour céder ça seulement, fait qu'on ait salué choix Gary Koni comme chef gouvernement. Pendant que vous souhaitez atterrir pressé avec assainissement dans le quartier populaire. On ne peut pas gagner qui est de mal de Gary Koni. Bon, tout le monde a prétendu que Gary Koni. Je très apprécié ce choix. Mais nous avons besoin de l'école. Nous avons besoin de tout le monde qui a retourné à l'école.
Nous besoin pour toute l'école ouverte dans toute capitale Port-au-Prince. Nous besoin d'une vie normale. Nous besoin la paix pour insécurité. Et dans surtout, nous besoin d'assainissement. Assez bon l'école qui n'est pas ouverte là. Malheureux. Il faut faire un paquet de déficit là. Il faut avoir un pile côté qui a écrasé, les bagages sur la tout ça. Il va proposer pour que ça n'a pas demandé à Premier ministre Gaïkoni. En fongeant pour nous tous haïtiens Kachita ensemble pour nous redémarrer le pays. La déclaration fait pendant l'installation, le Premier ministre Neuf a demandé pour gagner en tête ensemble pour capable répondre à des desiderata masse défavorisée. Cependant, différentes organisations dans la vie nationale pays a demandé pour qu'on ait 30% respecté. Qui veut dire qu'il faut gagner 30% de femmes pour Pipiti qui représentent dans l'administration publique. Yo. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Massia Dovinme pour VOA Créole. Et puis pendant ce temps, dans le pays Kenya même, c'est gros la prière pour force multinationale qui vient pour arriver dans le pays d'Haïti. Gentil Augustin Junior, gain détail. Président William Ruto ak madame li mande aide la prière kek pasteur kenyan pour guider mission police qui gen pour al Haïti. We cannot allow our police to nous pas ka permettre officier police nou yo aller Haïti sans la prière. Ruto ak madame li Rachel montre la foi yo en public. Yo te engagé leader évangélique yo nan problème l'état yo tant kou à travers programme diplomatie la foi. Take care. Thank you. The church in Haiti. L'église Haïti travaille avec l'autre l'église, tant que l'église Kenya, l'église États-Unis. Yo mette tête ensemble et puis repenti. Ensuite, dénoncer et révoquer alliance gang yo. Mais l'église là doit participer parce que c'est yo même qui n'a pays côté alliance l'ont fait. Li t'est fait sous terre haïtien yon. Et c'est peut-être ça, yo doit retirer sous terre haïtien yon. C'est pas tout le monde qui convainc avec stratégie pasteur Kenya yo. Docteur Hassan Kanenje, directeur Institut International Horn pour études stratégiques, yon groupe réflexion et recherche politique qui Nairobi, quoi c'est pan-africanisme Ruto qui t'a inspiré engagement li dans mission. Haitians have had rather, you know, Haïtien yo te fait yon très mauvaise expérience avec force multinationale ou soit plutôt force internationale Nations Unies. Gen en pile caviol, pillage, violation grave droit moun haïtien yo nan men force Nations Unies yo ou soit sa yo rele kas ble yo et qualité mauvais expérience sa yo ki te yon choc sou haïtien yo. Yon directeur organisation droit moun nan Afrique de l'Est gen gros inquiétude sou force ki pral déployer Haïti ya. One of the concerns is that yon nan inquiétude yo c'est que force kap déployer pour soutenir Haïti ya kit se la police ou soit l'armée doit conformer yo à certaines normes et nous dit Kenya déploye la police et police kenyan nan se yon kat marqué pour dossier abi et si Kenya déploye la police premier bagay qui doit fait c'est assurer que policier qui était impliqué dans violation droit moun yo pas déployer l'autre bord. Président William Ruto bon côté parle te dit que sécurité ak la paix doit établir tout côté. Kenya believes Kenya croit que responsabilité pour la paix et sécurité tout côté, inclus en Haïti. C'est responsable toute nation et monde qui croit en liberté, autodétermination, démocratie et justice. Et c'est pour ça que Kenya te prend responsabilité ça. Le président Kenya, William Ruto, te visite États-Unis dans une visite officielle, li te renouvelé engagement pays a pour te voyer yon force police pour aider Haïti ak problème violence que gang yo alimenté pour diriger capitale là, Port-au-Prince. Gentil Augustin Junior, VOA Creole, Washington. Merci gentil, moi mea c'est moi héritage, moi culturel héritage haïtien. Nan mes amis te gen activité pour clôturer moi ça nous va rejoindre Luxon Saint-Ville. Plusieurs calte valise, rad, zano, tableau pour ne citer ça seulement. Artisan yo qui te vinn présenter zèvio, dit c'est avec fierté yo te vann kil ti pays d'Haïti. Pendant tout mois mai dans l'état Floride. Moi pense que grand pile travail qui fait au cours de mois de mai ici Miami pour nous faire promotion de la culture haïtienne, promotion du savoir-faire haïtienne et tout ça qui bon qui occupe yon ka vann à part de l'autre bagaille que négatif qui gagne mais nous grand pile bagaille positif tout que nous gavann.
C'était un mois qui était chargé avec activité pour non seulement vendre culture et orio, manger nous yo, mes coutumes nous yo, mœurs nous yo. Et c'est avec vraiment honneur que nous avons chance, moun qui a fermé gros mois ça ici et capable présenter œuvre nous yo, qui essentiellement a essayé montrer et vendre culture nous à travers or nous yo. C'est pas seulement artistes et designers qui te répondent présent dans l'exposition ça. C'était entreprise et organisation qui offrent service à haïtien. T'es estimé li important pour venir supporter initiative ça diaspora prend. On connaît haïtien qui dans diaspora toujours chercher qui moyen pour nous aider Haïti. Qui organisation qui a fait bon travail en Haïti qui capable supporter. Et moi même te donner que moi c'est un bénéficiaire de programme Help là. Donc moi te dit moi venir pour partager information ça avec mon yo. Oui, moi pense que pendant moi ça, pas seulement au niveau de Miami parce que font poser USA, c'est au niveau Washington que lié. Nous même tout nous te prend travail là à cœur sur page social media nous fait tout mois à faire des posts dédiqués pour célébrer moi. Participant toute qualité, toute secteur, te sorti plusieurs coins dans Miami avec zone qui entoure lio. Pour devine Corée qu'il t'y haïtienne. Nous vend musique là, nous vend artisanat, nous vend peuple moun qui dans leadership qui dans zone là, mais nous ca toujours faire mieux. Haitian Heritage Expo 2024, une activité Marlène Bastien dit qui rivait à tel objectif li qui c'est mettre art à culture haïtienne en valeur. Côté a vraiment extraordinaire, différent en pile diversité, ça montre vraiment peuple non son peuple qui grand pile talent. Et à cause de talent ça yo non gain espoir pays non gain pour reprendre élégance li parce que belle en ça belle culture ça il pas périr fier de histoire culture pays yo initiateur casser rendez-vous pour mai 2025 pour l'autre mois héritage haïtien dans l'état Floride. Moi c'est Luxon Saint-Ville depuis Miami pour VOA Creole. Donc moi mais c'est moi héritage culturel haïtien et grand pile activité qui marquait moi ça et grand pile l'autre activité encore que nous même n'a partagé avant et c'est ça qui fait que nous invité au toujours branché sous et page VOA Creole pour capable gagner toute information. Pendant ce temps ici aux États-Unis gagné petit président Joe Biden qui nan et devant la justice pour question de et possession d'armes illégales et jodi a nan posé a gagné ancien madame ni et ancien ménage li qui yo même yo témoigné et gen maman tout en parlant de première dame nan Dr Jill Biden qui li même té nan audience là et madame monsieur ancien madame ni et ben li même lui fait connaître que et ben té découvert que Maril tap fumé ça relé et crack donc il bay témoignage et plus en plusieurs informations nan cadre procès ça cap déroulé contre et petit garçon président Joe Biden. Et puis, quelqu'un l'autre point qui a dominé actualité en Haïti, eh ben, c'est, et focus l'attention, c'est sous premier ministre Guy Kony qui lui-même, avec de concert, ou bien collaboration avec conseil présidentiel transition, qui au même pral formé yon gouvernement, et nan jou kabin la, c'est ça, promesse ça, que yon fait. Et puis, tant qu'on nous saute, gentil Auguste Junior, sur table, dis-nous, eh ben, gagner, et force, dans Kenya, gagner président Ruto avec madame ni Rachel, première dame, non, yo même cap la prière, yo dit, yo pas qu'à quitter, tout peut yo aller sans yo pas la prière. En attendant, que y a ton pour yo, ouais, qui j'en ça, pour le passer. Et puis, nous connaît que gagner président, Joe Biden, qui trouvait dans le pays, la France, et la gagner pour prendre la parole vendredi, c'est dans l'occasion, 80e anniversaire débarquement et 6 juin 1944. Nous pratiquement arrivés dans fin programme, c'est un plaisir comme d'habitude pour nous te servir. Nous remercions tout le monde qui branché sur Facebook et l'autre plateforme nous cap suivre. Rendez-vous info. Nous dit Nelson un gros merci pour participation et puis nous pas oublier stagiaire nous hein, qui est Jared Williams qui avec nous là pour bon petit temps, nous content que là avec nous. Monsieur c'est américain, mais monsieur commencé à apprendre créole, l'Elvin il dit nous bonjour. Monsieur a venu et monsieur gain pour faire expérience manger haïtien. Moi c'est Jacques Belizère, merci pour gentil Augustin Junior, Jean-Robert Philippe, Sandra Lemaire, Samblier, Jean-Marc Hervé, Abilard, moi c'est Jacques Belizère. Bonsoir. Laissez-moi dire que pour journée qui était le mardi 4 juillet 2024 là,
N'apprenne que qu'il y a une grosse séance de travail qui est réalisée entre PM Gary Koni avec membre conseil présidentiel transition. Mardi après-midi 4 juin 2024, là. Il y a une grosse séance de travail qui est réalisée entre PM Gary Koni et puis membre conseil présidentiel. Et séance de travail, ça, il mettait accent sur question formation avec prochain gouvernement qui pourrait le mettre dans tête paysan qui pourrait le travailler dans tête ensemble avec ces paysans. Pour yon bay résultat, je souhaite yon, nan permettre que la paix, la vie capable de prendre dans le pays d'Haïti et organiser l'élection dans le pays. L'autre sa que m'a dit nous comme information, yon économiste Philippe Vixamar. Monsieur semble se yon élément, un personnage dans l'équipe dans le bord de Gary Koni. Nan interview que monsieur bay avec Radio Kiskeya. M'a dit avec interview ça. Moi même avec un petit cas l'interview. Côté monsieur clairement dit que Gary Koni entend avec équipe li pour réduire quantité ministère yo. A dire à faire 18 ministères là, ça va réduire. Et que des ministères qui pas négocié, par exemple économie, affaires étrangères, justice, collectivité territoriale, c'est des ministères que ça yo même dans tout ça cap réduit yo, yo pa réduit ministère ça yo. Et en même temps tout, c'est PM Koni qui voulait qui pral gen geste sou yo. Par la mélanger. Est-ce que ça pa pral mettre un gros bouche l'oubli entre ces PM et Gary Koni? Est-ce que ça pa mettre gros bouche l'oubli tout entre n'a capable dire de nek qui déjà apparaît yo là pour accaparer pouvoir et de moun qui attendent déjà qui pral dans tel ministère, il va gagner tel économie tel ministère et pral gérer tel causé. Désé comment est-ce qui? Parce que nous venir avec causé pour moun yo. Bless situation dans nos forme, content rejoindre nous dans Calfou vérité à côté nous pral parler causé pour matin avec zami internaute qui branché tout partout yo pour arriver comprendre et qui modèle couleur, qui dimension nèg cap fait politique en dedans pays a arriver prendre chaque fois qui a cherché intérêt yo utiliser nos peuples, yo utiliser nos femmes, yo utiliser nos diaspora, c'est pas de par exemple bien rien qui vient tout bon vrai pour monde ça yo. Depuis Jo ancien sénateur Moïse Jean-Charles t'es entendre t'es fait Fritz Belizère mettez vers sous lui pour aller dans primati en pile monde qualifier ses présidents et Moïse Jean-Charles entend qu'il fait Emmanuel Vertiller voter pour premier ministre Gary Koni. Depuis jour à Blaise Peterson Fritz Belizère pas joine on appelle on texte message de Moïse Jean-Charles pour qu'on qui ça passé les usuriers très sérieux non mon cher on va pas faire ça on pas dans boîte nèg là là pour que attendez Blaise m'a parlé des informations que Fritz Belizère partagé avec des proches lui et qui cause arrivé près là ça permet gros mâchoire gonflé entre Fritz Belizère avec Moïse Jean-Charles et que des familles amis ingénieur Fritz Belizère qui fâché koukong qui posé tête question. Est-ce que ingénieur Fritz Belizère te fait Moïse Jean-Charles Bagay l'évangile dans quatre situations ça Blaise Peterson. N'a pas détaillé nous pour laisser donc garder modèle comportement ça yo à qui ça qui ressemble. Parce qu'en pile nèg yo c'est intérêt tout simplement qu'il y a cherché Blaise Peterson et dans ça qui lié avec conseil et présidentiel transition et pour quelqu'un gourmet. C'est dans ça qui lié avec choisir qui est-ce qu'a venir ministre. Dans réduction ministère Blaise Peterson pour quelqu'un parle en pile pour quelqu'un l'obéit qui pour éclater. L'appli qui a tombé à travers différentes communes dans le département de Grand-Anse fait un pile dégâts matériels et sur route nationale numéro 1, il voulait parler, il rend que situation pratiquement très difficile pour les gens qui sont dans Jérémy, Okaï, zone et Fompadra, rivière glace, il y a gros la troublée dans la zone si là, blesse personne côté, l'appli qui a tombé, son géré nous dans la saison cyclonique. C'est pour ça que tout le temps de Mounio, faut que vous veillez côté, y a mes pieds, veillez ensemble des bêtes que vous gagnez, veillez ensemble papiers que vous gagnez, surtout vous-même qui habitez dans la zone à risque. Dans le Kafou aéroport, information fait quoi? C'est un groupe bandit qui a tenté de tourner un camion qui a transporté gaz et la police a pété balakio qui la cause. Dans la journée arrière, les personnes ont camion gaz et rivé prendre dans le Kafou aéroport qui te commet en pile panique dans le niveau Kafou, qui te cause gros courir, gros laisser frapper côté mon tapé, c'est ouais, qui sont capables de sauver la vie parce que vous ne connaissez pas ce que vous avez décrit. En basé, ensemble, messieurs, dames,
qui pratiquement le gouvernement pour jusqu'à présent n'est exam continue à tenter occuper un paquet d'espace en dans pays là dans cette indépendance en Gonaïve. Eh bien marché Gonaïve là on parti là-dedans on l'autre fois encore rivé prend du fait et petit machin yo fait quoi yo pas adressé avec l'état parce que chaque fois que ça arrive malheureusement l'état pas jamais fait un pour l'état pas jamais dit rien. Eh bien yo pas gagné pour adresser avec l'état dans situation ça Blaise Peterson et des gars yo considérables dans niveau marché Gonaïve là pour quantité bagaille qui rivé passer en bas flamme du fait et nous connaît précarité situation difficile que moun la connaît dans département la Tibonite laisse al vinn rive l'expression des pral augmenter sous la misère ti machin yo acheté yo qui toujours fréquenté marché a conseil présidentiel Laurent Cécile en pile information te fait quoi que monsieur te quitter pays a soit sous pression secteur qui te volatilise secteur privé a eh bien monsieur retourner en dedans pays a Blaise Cécile mais information fait quoi pa gen youn dans conseiller présidentiel yo qui jambe joine Laurent Cécile dans téléphone pour parler à cli Blaise Cécile nous pral décortiquer nous pral garder examiner internet yo ensemble pour ça yo bon côté pas si gen l'autre point n'a ajouter aussi pas gen l'autre point et nous pral entrer en profondeur dans développement ensemble point que n'garder là Blaise Cécile et ben c'est que la votre en profondeur dans ensemble que n'garder là mais il est probable que dans émission des si moun da gen invité avec nous et pour n'ta capable et garder avec invité mais entre-temps ben venir avec interview ça que et économiste Philippe Vixama avec confrère nous Hervé Noël de Radio Télé Kiskeya et sous ensemble de dire comment que Gary Koni lui-même pral aborder et gouvernement là et qui ensemble de action pral poser et comment que li pral définir plan travail li et pour permettre que ben résultat nous pas chercher la petite bête j'en ai midi hein mais non Gary d'après ça qui dit bon côté monsieur Philippe Vixama, li montre que Koni normalement ta gen on feuille de route pas nan mail et li pas dit que le pape exécuter à 3 avril CPA non mais Koni gen un plan on feuille de route nan mail et li pral agir avec feuille de route qui nan mail là. Comprenez ça me dit hein? C'est pas dit dit que li dit que Koni pas pral exécuter et feuille de route à 3 avril là non mais li montre que Koni li même tout comme premier ministre, ligon équipe, ligon plan de travail tout et plan de travail il pral caché en dedans à 3 avril. Mais là pral arriver que c'est pral plus et plan de travail Koni qui pral exécuter parce que Koni m'a dit ça déjà, c'est lui même qui a plus gros responsabilité pour que émet transition pas échoué. Comme nous ça oui. C'est Koni qui a responsabilité pour que transition pas échoué. Parce que c'est lui-même qui va exécuter le travail à 3 avril. Et si que le pas qu'à exécuter, mais pas exécuter, et mais transition a échoué clairement. Et comme qu'on était pas garanti, vous te dit que l'a fait tout ça qui n'a pouvoir pour éviter que, et pour que transition a pas échoué, on souhaitait que qu'on y fait tout ça n'a pouvoir sur le monde et pour permettre que des résultats qui baillent. Désir, on en venir avec monsieur et Philippe Bixamar. Qui va permettre nous entendre qui ça plan Koni là et comment que nous même nous comprenons et comment que nous allons analyser et comment que ou même cap garder capteur de là tout comment que ou même au comprenons en internet les font cabinet avec six ministres estime fait des merveilles il fait au DVA jette les bases de Pélix estime fait des bagages extraordinaires il fait les mettre sur la carte du monde avec le tourisme très bien donc estime aller c'est parmi trois pigou président nous passer Salomon Antoine Simon ici trois présidents sur 60 nous pas faire boire monsieur Koni pas venir là pour faire miracle il pas un bâton magique toi même monsieur Koni il a une seule mission restaurer l'autorité de l'état et organiser les élections libres honnêtes démocratiques inclusives donc il est raisonnable ne dépassant pas même moi madame Erta Pascal pour faire 13 mois dans des situations qui pire bon que ça monsieur Koni décidé déterminé pour délivrer des élections dans 20 mois et le 7 février 2026, pour un nouveau pouvoir qui pourrait colter au problème du développement de la République d'Haïti. Explication sur la décision ça pour réduire le gouvernement. Donc, pas besoin au gouvernement qui a 50 ans, pas besoin de secrétaire d'État, pas besoin de charger de mission. Tu as besoin de citoyens honnêtes, responsables et compétents. Et puis qui gagnent une certaine représentativité régionale. Donc, nous avons trois grandes régions, 10 départements géographiques. Il y a le Marien, de la Tortue à Mancini, il y a le Zaragoa de la Tibonite, rivé jusqu'à Pédernal, jusqu'aux Ziois. Ensuite, il y a la Maguana, qui c'est plateau central, qui c'est la plaque tournante, côté que le relie tout département ensemble. Il n'y a pas de même.
il nous dit que nous avons ouvert les ports au commerce international, pour y avoir indépendant, comme il y avait indépendant, une de l'autre et autonome. Et le SAR, APN va aller équiper pour eux, qui a mis d'infrastructures, à bien côté pour banque, et gestion pour eux, a fait une gestion mixte, PPP avec participation des collectivités territoriales. Alors, la commune est autonome, a fait des communes pas capées, monde qui a nettoyé Fadra, ça suspend. Donc, faut commune est capable de prendre soin de eux, pour commune et l'ONU des mondes qui a fait développement tout, parce que le développement est local d'abord avant d'être national. Donc, ça c'est plein pour le ministre, Dr. Ganconi. Et oui, c'est le programme de M. Bonny. Donc, il n'y a pas rapporté la toute bagarre, il n'y a pas le temps de quitter. Donc, l'affaire, ça, rien pour le faire. Rétablir l'autorité de l'État sur tout l'état du territoire, récupérer les territoires perdus. Permettre que le 23 juillet, on pourra le Saint-Anne, Thomas. Permettre qu'on mouna à Saint-Pierre, en Matuère. Permettre qu'on mouna à la Mont-Carmel, en Soudo. Permettre qu'on mouna à Tigouave et Wanamed et au Cap le Quinçon. Nous avons l'ambition. Premier ministre Ganconi a arrêté sous ça en ce qui concerne formation gouvernement. C'est 11 ministères qui ont gagné. Nous pas bien 18 ministères. Nous pas bien 18. Nous pas bien 18. Nous bien moins. Et ministère, c'est budget vivant. C'est mon histoire. Le premier ministre a un problème pour suivre la portée. Police secrète. Tout premier ministre, il ne va pas faire ça. Il ne va pas faire police. Le ministre de la Justice gagne 15 millions chaque mois. Police secrète. Il ne va pas faire. Le ministre de l'Intérieur gagne même 20 millions. Donc, comme ça, on va développer la police nationale. Comment avancer en ce qui concerne la formation gouvernement? Est-ce qu'il y a des batailles qui sont déjà entamées entre CP et le ministère de la Justice? Il y a des batailles au gouvernement. C'est pour qu'il y ait des grands box, ma bonne et Haïti. Il y a 5 ministères qui ne sont pas négociables, les affaires étrangères, les finances, la sécurité, la justice, les collectivités territoriales. Donc, ministère ça, après, tous les autres ministères sont sur la table et les partis représentés au conseil du gouvernement vont présenter deux mondes côté que il y a sélectionné une année pour faire ministre. Et c'est la question axée sur les résultats. Vous voyez, le grand pouvoir, il y a un discours que chef cabinet le fait pour les cyberger du tout pour constituer les loups. Ils font cabinet avec 6 ministres. Estimé fait des merveilles. Il fait au DVA, il jette les bases de Pélix, estime faire des bagages extraordinaires, il met nous sur la carte du monde avec le tourisme, il fait le bicentenaire. Donc estimé aller, c'est parmi trois pico présidents, nous passons Salomon, Antoine Simon et Estime. Trois présidents sur 60, nous pas fait moi. Monsieur Kony, pas venu là pour faire miracle. Il va combattre ton magie toi-même. Monsieur Kony, il a une seule mission, restaurer l'autorité de l'État et organiser l'élection libre, honnête, démocratique et inclusive. Dans un délai raisonnable, ne dépassant pas 20 mois. Madame Erta Pascal, vous avez fait 13 mois. L'un des situations qui est plus bon que ça, Monsieur Kony est décidé, déterminé pour le délivrer des élections. Dans 20 mois et le 7 février 2026, pour avoir un nouveau pouvoir qui va colter au problème du développement de la République. Explication sur la décision, ça va pour réduire taille gouvernement. Donc, on n'a pas besoin au gouvernement qui a 50, on n'a pas besoin de secrétaire d'État, on n'a pas besoin de chargé de mission. Tu as besoin de citoyens honnêtes, responsables et compétents. Et puis qui gagne une certaine représentativité régionale. Donc, nous avons 3 grandes régions, 10 départements géographiques, il y a le Marien, de la Tortue à Mancini, il y a le Zaragoa de la Tibonite, rivé jusqu'à Pédernal, jusqu'aux Irois. Ensuite, il y a la Maguana, qui c'est le plateau central, qui c'est la plaque tournante, côté que nous relions tout département ensemble. Il n'y a pas de lui-même. Il nous dit que nous avons ouvert les ports au commerce international, port rapé, indépendant, commune rapé, indépendant, une de l'autre et autonome. Et le SAR, APN, va aller équiper pour eux.